Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau cours en vidéo. Alors tout d'abord, je voulais vous féliciter pour vos travaux de la dernière fois, il y avait des choses magnifiques. Aujourd'hui, il y en a qui doivent s'en douter déjà, une partie d'entre vous. Si je vous ai demandé la dernière fois de faire juste les contours, ce n'était pas pour rien, d'accord? Donc aujourd'hui, on va continuer sur ce qu'on a fait la dernière fois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va peindre ce dessin. Donc oui, on va peindre, mais on va pas peindre n'importe comment. On va peindre en aplat, c'est-à-dire des couleurs nettes, des surfaces lisses, nettes, d'une seule couleur. Vous allez comprendre, ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer ça. Allez, c'est parti. Alors pour ceux qui ont déjà mis la couleur, malheureusement, je n'ai pas beaucoup d'autres solutions. Je pense que vous faudrait mieux le refaire. Parce que pour la prochaine étape, vous allez avoir besoin de votre peinture avec des couleurs bien nettes. Ça va être important. Donc, je vous conseille plutôt de le refaire. Ou pour ceux qui ont fait au crayon, peut-être vous pouvez faire à la peinture par-dessus. Voilà. Pour ceux, qui n'ont pas de peinture, vous pouvez quand même faire l'exercice au crayon. Ça va fonctionner. Par contre, il faut vraiment que le coloriage soit très très propre, très très net et qu'il y ait vraiment de la couleur partout. Allez, on y va. Alors, pour commencer, vous allez vous munir de peinture, bien sûr. Donc, vous voyez, moi j'ai pris les couleurs primaires. Alors, vous vous rappelez, on avait vu ça ensemble. Il y a du rouge, du bleu, du jaune. J'ai pris un petit peu de blanc, un petit peu de noir. Et un petit peu de turquoise aussi, parce que j'en avais, mais si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Vous pouvez très bien faire avec les couleurs primaires et le blanc. Donc, des pinceaux. Ok, bien sûr. Un petit verre d'eau. Votre dessin. Et la photo à partir de laquelle vous avez fait votre dessin. Donc comme vous pouvez le voir, je n'essaye pas de faire de dégradés ou des effets avec la peinture compliqués. Il s'agit juste de remplir d'une couleur les éléments. Le ciel en bleu ciel, la mer en turquoise, la montagne en marron, les arbres en vert, voilà, etc. Et il ne faut pas non plus faire les contours. D'accord? Ça, on verra la prochaine fois. Pour le moment, je vous demande juste de remplir les différentes parties. Une fois que vous avez fini votre peinture, surtout ne jetez pas la feuille parce qu'il va y avoir une troisième étape. On va avoir besoin encore de cette peinture et on va refaire quelque chose d'autre par-dessus. D'accord? Donc vous gardez bien ça dans un coin, vous laissez sécher et vous le mettez dans un coin jusqu'à la prochaine fois. Donc comme d'habitude, envoyez-moi vos travaux sur le lien Drive et je vous ferai un petit retour. Allez, à vous de jouer, à bientôt.